La côte est du Sultanat d'Oman se dessine dans des plateaux rocheux, mordus par l'océan, et s'élève sur des montagnes désertiques dont les larmes donnent vie aux pierres avant de s'oublier dans les eaux salées. Son histoire s'est écrite dans la terre et dans les eaux, et son âge d'or s'est façonné dans ses édifices de pierre et ses grands navires en bois. Sous un soleil brûlant arraché au désert, découvrons ces lieux empruntés au paradis et des savoir-faire légendaires. Aujourd'hui, le mercure est monté à 44. Donc on s'est baigné dans un petit wadi, le wadi Arbaïn. Et c'était trop chouette. C'est plein de petits cours d'eau et vu que ça circule, l'eau elle est fraîche, je pense qu'elle est à 30 degrés. Comme il fait 44 dehors, dans l'eau t'es trop bien. Je pensais vraiment être dans la nature tout seul, mais en fait non, il y a des gens qui habitent là toute l'année au bord de ces cours d'eau dans les grands canyons. Dès qu'ils ont trop chaud, ils peuvent se baigner dans tous les petits lacs qui sont créés. Il y a des palmiers partout, c'est verdoyant, c'est paradisiaque. Tous ces petits palmiers, ils doivent récolter leurs propres dattes et tout. Nous allons grimper en haut du plateau Salma qui culmine à plus de 2000 mètres d'altitude, sachant qu'on part du point zéro parce qu'on était au bord de la mer tout à l'heure. C'est des grosses montagnes rocheuses. Puis on commence à se sentir seul là, comme au début de l'Arabie Saoudite. On a quitté Mascate, on croisait beaucoup de touristes, même Nizwa, tout ça, il y avait beaucoup de monde dans les montagnes au frais, mais là on commence à croiser beaucoup moins de monde. Le plateau Salma est l'épaule orientale des monts Hajar. Une atmosphère désolée sous laquelle se cache l'une des plus grandes chambres troglodytes du monde, Majlis al-Jin. Les légendes arabes racontent que les djinns seraient des esprits bénéfiques ou maléfiques. En tout cas, aujourd'hui, avec ces températures, à plus de 120 mètres de profondeur, ils sont certainement les mieux lotis. C'est sympa, mais c'est pas ce dont on a besoin en ce moment. Fraîcheur. 37 degrés dans des cailloux. Sachant qu'en bas, il y a des petits wadis qui nous attendent, on va pas trop traîner dans le coin. On entend souvent que toutes les bonnes choses ont une fin, mais en Oman, on quitte toujours une merveille pour en découvrir une autre. Après avoir fait la piste du plateau Salma, on entre dans l'un des plus beaux wadis du sultanat, c'est le wadi Tiwi. Ça va être très très chouette, c'est de la roche, plein de palmiers. Il y a des bassins, on va pouvoir se baigner normalement partout. Il est accessible en voiture et en fait il y a 9 villages tout le long du wadi. Le wadi est
super beau. J'ai eu du mal un petit peu à conduire dedans. C'est pas trop aménagé pour pouvoir s'arrêter, se garer et faire du camping au bord de l'eau. Et sinon, si c'est pas fou, on va retourner au bord de la mer. C'est vraiment des gros problèmes. Hein. C'est vraiment un gros problème. Soit on est dans le Wadi paradisiaque, soit au bord de la mer. En fait, ça aurait pu être sympa parce que c'est plus frais, je pense, qu'au bord de la mer. Alors en tout cas, c'est vraiment beau. Enfin, c'est paradisiaque avec plein de palmiers, de bananiers, c'est verdoyant. Tu vois, là, il y a le monsieur qui nage. Le week-end, c'est blindé. Coucou. On conduit sur les routes qui sont hyper pentues, donc si t'as pas de 4x4, franchement, c'est mort. Même les gros véhicules, je pense les camions, tout ça, ils peuvent passer en eau. Après, on peut se garer et il y a une petite marche pour atteindre une cascade qui est magnifique avec un immense bassin. Les pierres du Wadi Tiwi sont à l'ombre d'une végétation luxuriante constituée de bananiers, de manguiers ou encore de papayers. Car ici, alors que le mercure flirte au moins 4 mois de l'année avec les 50 degrés, les cours d'eau ne cessent jamais et ont été domptés par les hommes. Les gardiens des lieux la surnomment la gorge aux 9 villages. Là, j'ai les jambes qui tremblent un peu. Il y a un petit chemin. Après, c'est bien fait parce qu'ils ont fait des marches comme ça à travers les falages. Donc tu passes un peu au-dessus de l'eau et tout. Mais là, typiquement, c'est quand même assez haut. Il y a un gros trou à côté. J'avoue qu'une petite barrière, ça aurait pas été trop. On est entouré de palmiers et de bananiers. On entend l'eau qui coule. On est au milieu des montagnes. Et pour l'instant, on n'a vu personne. Au cœur des cultures luxuriantes du dernier hameau se cache une cascade qui nourrit de grands bassins d'eau douce. Une promesse de fraîcheur que l'on vient chercher dans un dédale de chemins sauvages aux allures de forêts tropicales. Ah là là, c'est trop beau! Toutes ces cultures sont irriguées encore une fois par un labyrinthe de petits canaux bâtis par l'homme, les falages. Au bout de ce sentier se trouve l'une des nombreuses merveilles naturelles du sultanat où l'on peut faire du canyoning, de l'escalade, explorer des cavités souterraines ou tout simplement se rafraîchir. Hyper fraîche. Après, tu peux continuer à descendre avec des cordes et tout ça en rappel. Ça a l'air encore plus beau si tu continues. Bon, partout en Oman, on retrouve ça sur le bord des routes. C'est des fontaines d'eau potable, filtrées et fraîches. Alors, ça sent du tout beau, quoi. C'est hyper frais. Il y a 3 villages ici et t'as quand même ça sur le bord de la route. Il est 5h du matin. Hier soir, on se couchait en voyant plein de petits points bleus dans l'eau. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est assez magique, je trouve. Puis là, ce matin, on se réveille avec le lever de soleil. Ah ! Oh merde, je vais pas m'ennuyer. On voit les petits cancans par terre. C'est quoi ça ? C'est un caillou ? Tu les vois ou pas, les petits cancans ? Ouais. Des soirées bioluminescentes, une baie aux eaux turquoises, un grand ciel bleu, et nous sommes seuls, ou presque. C'est bon ? Tout semble s'aligner pour nous faire rêver, mais dès 9h du matin, ce cadre paradisiaque commence à se transformer. Entre avril et octobre, à l'exception du sud d'Oman, le soleil est étouffant, avant de s'éteindre à l'ouest, 10h plus tard. Dès qu'on sort de l'eau, on est sec en 2 minutes.
C'est la première fois qu'on subit ces chaleurs-là. Il y a tout qui nous brûle, la carrosserie de la voiture, elle est bouillante. Tout notre matériel, il est brûlant, les téléphones, il y a tout qui se met en sécurité assez rapidement. Le micro de cet appareil-là, il se met à bugger de plus en plus. Enfin, ouais. Quand ça deviendra vraiment trop compliqué, surtout par exemple, là, on s'est posé 3 jours pour le montage vidéo et c'était assez compliqué. Les ordinateurs, ils sont hyper lents. Nous, au bout d'une heure, on est dégoulinant, donc on n'arrêtait pas d'aller se baigner pour se rafraîchir et tout ça, mais tu perds du temps, donc si jamais ça devient trop compliqué, on s'est dit qu'on irait 2-3 jours à l'hôtel, histoire d'avoir des bonnes nuits bien rafraîchissantes et de pouvoir travailler convenablement. On perd du temps sur le montage, mais on ne va pas se le cacher. Dans une eau calme et à 30 degrés, c'est bien la meilleure activité qui s'offre à nous pour se rafraîchir jusqu'à 7 fois par jour. Notre extension de visa, ça fait déjà un mois qu'on est en Oman. Il a fallu se rendre dans un poste de police, c'était hyper rapide. En moins de 10 minutes, on était ressorti avec notre nouveau tampon. 20 riyals par personne, ça fait presque 100 euros. Du coup, on peut faire ça 2 fois de suite, prolonger jusqu'à 3 mois, comme ça, de cette manière. Et puis après, on peut ressortir du pays et re-rentrer une nouvelle fois. Enfin, c'est assez cool là-dessus. J'ai l'impression qu'ils ont pas trop de restrictions. Donc ce matin, petite visite de la ville de Sour, qui est très connue pour la fabrication de boutres. C'est des vieux bateaux en bois, ce qui se faisait la réputation du sultanat pendant des années. Encore des forts, il y a des forts partout dans ce pays. Et là, il est 8h30 et il fait 37 degrés. Beaucoup viennent découvrir la beauté du sultanat par sa célèbre route des forts. Sur le territoire, il y en a plus de 500 et tous ont été bâtis pendant et après l'occupation portugaise de 1500 à 1650. Elle a foiré son créneau, elle a foiré son créneau. Ah, ça choisit la solution de facilité. Hein. On va lui demander un peu plus d'explications. Quoi? Ça choisit la facilité pour se garer? J'ai jamais fait de créneau avec cette voiture encore. C'est vrai ça? Bah ouais. Ah, t'as jamais fait? Mais y a pas trop de place en créneau dans ces pays. C'est souvent des... Tu te gares soit comme tu veux, ouais. Comme tu veux. Waouh, elle est balèze. C'est lourd? Ouais, c'est lourd. T'imagines comment ça doit te transpercer ce truc? Ça va te... Oh, celle-ci, elle va pas tirer dessus. C'est là? Oh, purée. Ah, mais ça fait au moins 5 kilos. Après cette période, Oman est devenu un grand empire colonial qui s'étendait du Baloutchistan iranien jusqu'au Zanzibar. C'est assez... C'est quand même beau, hein? Ouais. Non, mais c'est bien vu d'en bas aussi. Disons que c'est quand même des bouts de bois. On n'est pas sûr. Mais l'histoire moderne d'Oman ne s'écrit pas que dans les pierres. En 1750 et pendant 100 ans, cet empire connaît son âge d'or et domine l'immensité de l'océan Indien avec ses légendaires boutres en bois. Et il n'y a qu'un seul endroit où l'on perpétue encore ce savoir-faire séculaire, dans l'un des plus vieux ports du monde, Sour, mère des traversées océaniques et gardienne des eaux d'Ormuz. Yeah.
arrivé sur le chantier naval de Sour et en fait c'est un grand bordel à vrai dire, mais ils sont 5 ou 6 personnes qui viennent du Bangladesh et d'Inde. Et en fait ils font les bateaux de A à Z, ils reçoivent juste la coque entièrement vide et puis après ils font les ameublements. Mais là c'est pas du tout des boutres, en fait c'est des petits bateaux de pêcheurs classiques. Et là juste devant nous on voit une boutre en bois abandonnée. C'est un autre niveau de chantier je pense, c'est assez c'est grand hein. C'est les fameux bateaux qui ont fait pas mal fonctionner l'économie d'Oman avant de découvrir le pétrole et avant que les bateaux deviennent de l'acier, etc. Il y a un bateau de pirate, non? C'est énorme. Autrefois ici, de nombreux vaisseaux étaient fabriqués pour le commerce, la pêche ou encore les conquêtes omanaises. Mais en quelques décennies, l'acier a balayé le bois et la liberté combattu l'esclavage, en plongeant cette cité prospère dans l'oubli d'un désert. Aujourd'hui, sur ces plages, quelques épaves oubliées gisent sous un soleil brûlant qui leur a arraché leurs derniers souvenirs au-delà de l'horizon. Et la production annuelle se limite à seulement un ou deux navires, bâtis de façon artisanale par une poignée d'hommes venus d'Asie-Pacifique, à la mémoire du riche passé maritime omanais. Et ils ont fait un énorme échafaudage tout autour qui permet de maintenir la construction et de circuler pour bâtir la boutre. On voit que tout en haut ils ont gravé le bois et tout, enfin, ça a l'air hyper fin comme travail. On se disait que c'est assez fou parce qu'avant c'était un objet de puissance et aujourd'hui c'est plus devenu un objet culturel, folklorique, esthétique. Je pense qu'ils les utilisent encore pour faire un petit peu de pêche mais aussi pour l'activité touristique. Et tout est fait à la main, au bord de l'eau. Et ouais, ce qui est trop beau, c'est de perpétuer un savoir-faire ancestral. Regarde-moi ça, cette énorme coque de bois. Je sais pas si on peut aller voir. Il y a plein de clous partout dans tous les sens. Alors que nous quittions le chantier de Boutre, nous croisons quelques chiens. En Oman, tous ceux que nous avons vus jusqu'ici étaient très craintifs. On comprendra plus tard pourquoi. Ces dernières années, la seule solution employée par les autorités omanaises pour réduire leur nombre est de les abattre arbitrairement. Parfois, certains meurent plusieurs jours après leurs blessures par balles. Et aujourd'hui, nous subissons les conséquences de ces pratiques barbares et qui n'ont jamais prouvé leur efficacité. Eh ben, on était en train de se promener au pied des bateaux et puis il y avait des chiens qui dormaient sous la coque d'un des bateaux. On était loin d'eux en vrai, enfin, on s'est pas trop approchés mais ils ont commencé à grogner et puis après, un pas de trop et ils se sont tous levés d'un coup et il y en a un qui m'a mordu. Et j'ai un bon gros trou là. Quand c'est comme ça, direction hôpital direct. Hein. Ouais. Surtout des chiens agressifs comme ça, on est vacciné contre la rage, donc ça mais fait on est vacciné contre la rage, mais on va à l'hôpital tout de suite. Direction hôpital. Du coup, on est dans un health center, parce qu'il n'y a pas d'hôpital ici. Le monsieur a l'air de dire qu'il nous faudra 5 injections. 5 injections d'un traitement au lieu de 1, parce que c'est un chien sauvage. Donc j'imagine que c'est pour la rage. Can take video? Yeah, of course. Ça va. Ça va? Oui. Now sleep with? In the car or hotel? In the car. Yeah. From where you bring money? If you are not working? We work, we save money. After that, travel. Yes. You see many times this? Yeah, so many times. Every day? No, not every day. Every week? Like that. En fait, ils vont nous donner un papier qui nous permet d'avoir des vaccins partout. Ah, c'est cool, comme ça on peut continuer d'avancer. Tu crampes plus là, ça y est? Ouais, ça commence à retomber, mais... Ça va super vite, hein. Bah, ça va trop vite. Même, il m'a chargé et au dernier moment, je sais pas, j'ai dû grave reculer. Il y avait 4 chiens, il y en a un qui a grogné une fois, un tout petit peu. Et ensuite, ils ont même pas aboyé, quoi, ils ont mordu direct. Enfin, de tous les pays qu'on a visités, c'est le pays où on en voit le moins. Et là, bah voilà, on en voit 4 et ils sont hyper agressifs, quoi. Parce qu'on s'est pas approché, on n'a pas essayé de les caresser, mais on était trop proches pour eux. I will give you all equipment, the dressing for her, and car.
parler, ça. The emergence. Joli bandage. Jamais eu. Du coup, il va falloir qu'on organise un petit peu le voyage par rapport à ça pour pas être trop loin des villes. C'est vrai que la rage, quand c'est pris trop tard, c'est-à-dire que si on attend 7 jours sans rien faire, après c'est fatal. Ouais, aucun... tu peux mourir. Oh non, pas une piqûre. Ça va. Ah, oui. Ça fait mal? Oui. C'est trop bien parce que t'en as deux, je vais pouvoir filmer ta tête maintenant. Ça va tellement profond, elle enfonce ça dans les foules. Another hand. Another hand. This you can't move tonight. You can go to doctor to give you. So I'll come back. Thank you. Okay, any health center that have this? Yeah. Oh, no. Sorry. Hey, take water. Hello. It's like one big cable. I'm Instagram. Yes. We are you YouTuber. YouTube. Yes. You will be famous. But my photo and your YouTube. A video. Yeah. Brian. Yeah. Alors bilan, on a un petit kit de désinfection. Dans 2 jours, j'aurai le droit de me rebaigner dans la mer, donc ça c'est cool. Faut que je prenne des antibiotiques pendant 5 jours. Alors, on se demande toujours comment ça va se passer au moment du paiement. Et alors ici, bah, c'est comme en Arabie Saoudite, il n'y a rien à payer. Donc ça doit être encore une fois pris en charge par le gouvernement. Parce qu'on était allé à l'hôpital aussi pour toi en Arabie Saoudite, on n'avait rien payé. Quand on l'avait fait en France, on l'avait fait à l'Institut Pasteur et c'était super cher. On est rentré, on a été tout de suite pris en charge, tout le monde parle anglais. Les infirmières, elles étaient trop mignonnes, elles arrêtaient pas de rigoler. Enfin, franchement, hyper bonne expérience. Et cette boutre-là... C'est la scène du crime. C'est la scène du crime. Est-ce qu'il y a encore les chiens? Ah ouais, là-bas, j'en vois un. Là, j'ai pas envie d'y aller. Désolée, je vois pas. Ça n'enlèvera en rien mon amour pour les chiens. Nous découvrons toute cette beauté sous une chaleur accablante, car dans cette partie du sultanat, il n'y a que 2 saisons. Un été qui peut durer jusqu'à 8 mois, et pendant lequel la majorité des Omanais restent au frais chez eux, et un hiver qui s'étale du mois de novembre au mois de février, pendant lequel les températures avoisinent les 30 degrés. Tu t'en doutes, notre mode de voyage ne nous permet pas de tenir plusieurs mois avec de telles températures. C'est ainsi qu'a commencé à émerger en nous un grand projet de voyage, dans un lieu bien différent de tout ce que nous avons pu te partager jusqu'ici. Mais avant de t'emmener là-bas, il nous reste encore quelques merveilles omanaises à te faire découvrir. À bientôt !